rapport au pot, c'est sûr que on est le favori du groupe, mais bon, il y a un bon club comme Saint-Étienne en France, Metz aussi, donc voilà, ça va pas être facile, il va falloir qu'on soit très concentré et donner, comme je l'ai dit, donner le maximum pour pouvoir passer. Je connais plus Saint-Étienne parce que je viens de France et j'ai fait ma formation en France. Donc c'est sûr que je connais un peu et je suis un peu le championnat de France. Après, je connais moins les autres équipes. S'ils sont en Europa League, c'est pour, je pense, faire bonne figure et ils donneront tout aussi pour essayer de passer les poules. La première fois que le coach m'a donné le brassard, c'était une surprise. Maintenant, j'ai envie de dire que c'était plus une surprise parce que je suis quelqu'un dans ma carrière qui a peu de fois eu le brassard. Maintenant, si le coach l'a fait, c'est qu'il a confiance en moi et ce qu'il recherche à travers moi, j'essaye de le redonner au groupe. Donc, j'essaye de tenir ce poste à cœur et de faire du mieux que je peux. Je reste comme je suis. Je sais me faire entendre aussi, même en dehors du terrain. Pas besoin, je trouve, de s'exprimer plus que d'habitude. Donc voilà, après, le plus important à Anderlecht, ça reste ce qu'on fait sur le terrain. Donc c'est vraiment sur ça que je reste concentré.